C'est parti, on vous souhaite une excellente soirée à notre antenne canadien sénateur. Et au départ, c'est Romanov qui a la rondelle. Evans était convaincu d'avoir au moins un coéquipier. Il y en avait pas. Et ensuite, son revers qui rate de justesse. Et encore Evans qui reprend. Et son tir bloqué. Et la retour est à but. Tu parles d'une façon de souligner ton retour. Brendan Gallagher. Important avec l'épaule gauche. À la première menace de Evans, il ne peut rien faire contre le retour de l'ancien, mais j'ai l'impression. On va imputer le contact entre Hoffman et Forsberg à Zoom et donc accorder le but à Brendan Gallagher. Bon, voilà, je me souviens quand même. Mais je vous le dis, j'ai pas l'assurance que j'ai déjà eue. After coaches challenge the turn and the Ottawa defender puts the Montreal player into the goalie. Bon, voilà un peu ce que Marc Joannette nous expliquait il y a plusieurs saisons. Glissé jusqu'à Holden. Là, c'est repris par Watson au centre. Gambrell qui remet. Derrière le filet. Allen vers Schoeneman. Au mauvais jeu, la tire et le but. Et Schoeneman vient vraiment de commettre une erreur majeure. Et Marc, c'est contre le quatrième trio. On gaspille des occasions. En plus, va mener au but des sénateurs d'Ottawa alors qu'il allait se faire frapper par Dylan Gamble. Hey, le règlement, il est là, mais pas certain qu'il y avait matière à pénalité. Je dirais ici. En application, oui, t'as raison. Bon, alors, voilà une rondelle déviée, mais l'arrêt et a tiré le but. Et là, on a mis que 6 secondes à profiter de cette pénalité douteuse, et c'est 2-1. Retour de lancer, il y a cette déviation habile de Brady Tkachuk après avoir remporté la mise en jeu juste ici. L'écran créé par Batherson. Remet la rondelle dans le coin, c'est Anderson qui s'en empare, la passe à Barron. Voilà son tir et un retour qui revient à Barron. Très beau déplacement de l'onde à Léo Bleu. Et la tire Yes! Evans devant le filet et Patrick du côté du grand Forsberg. Il y a eu le tir initial, puis la récupération de rondelle. Il se moque de la défensive, utilise le grand devant lui et bat Anton Forsberg, un premier en carrière dont il se souviendra longtemps. Rundstrom était là aussi en défense. Et là, c'est Tkachuk qui s'amène un contre un avec Edmondson. Tkachuk remet vers Joseph, mais Edmondson était là. Interception de Del Santo. Il passe le tir et le but. Mais c'est Del Santo qui a retrouvé un peu sa touche de l'époque, Marc, sur cette séquence. Qui amorce la contre-attaque immédiatement. Refile le disque à Joseph qui aurait pu décocher un tir. Choisit la remise arrière à Suzuki. Et la passe du côté gauche ensuite à Dvorak. Dvorak derrière à Hoffman, à Gallagher. Gallagher remet la rondelle derrière à Hoffman. Hoffman en direction de... Yes, go, Gary! C'est supériorité numérique qui décolle, confirme. Regardez la fin pour faire mordre Zaitsev. Il s'en libère par la suite et Forsberg, assurément. Norris intercepte. Et la passe ensuite à Brandstrom, à Norris. Derrière à Brandstrom. Et ensuite vers Schnitzler, à Brandstrom, à Norris, le tir et le but! Patterson a bien synchronisé son passage devant le filet. Et on fait payer Suzuki pour son geste. C'est 4 à 3. La lame de son bâton aura la glace. Va faire dévier la rondelle juste ici, en fait. Remet la rondelle du côté droit. Il y aura pénalité aux Canadiens. Et le jeu se poursuit en faveur des sénateurs. Holden remet vers Patterson. Patterson. Laisse le disque derrière lui. Voilà, le tir de White et le but. Je ne sais pas vraiment s'il y avait la vue obstruée du côté de Jake Allen. Où l'espace est créé pour White. Regardez tout cet espace. Il manœuvre à sa guise, est en plein cœur de l'enclos. Exactement, et ça va dans le sens de ce que Martin Saint-Louis fait depuis qu'il est derrière le banc. Sauf que là, les sénateurs ont la rondelle. Mais, et un tir finalement. Regardez bien la sortie de territoire et Barron qui s'interpose. Je trouve qu'il y a une chute, une perte d'équilibre. Et regardez la jambe droite de Barron qui est emprisonné sous le... Et voilà que... Enfin, ce match... Donc,
Donc, un bref retour qui n'est pas à la hauteur des attentes pour le Canadien. Et retour tout de suite dans l'avion demain pour le New Jersey.